Sans déconner. Jade, j'ai pas trouvé d'antisine. Je pense qu'il va falloir trouver une autre option. Enfin, j'ai pas encore fouillé la classe C. Le sous-sol est énorme. Cherche la clé, je te retrouve là-bas. Thank you.
Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Ah, ok. Crane, t'es vraiment un gros naze. Eh ben, t'as qu'à leur crier qu'on est là, tant que t'y es. Parfois, une approche directe est parfaite. Oh, merde. C'est du plastique, c'est ça? Prends ça et retourne à la tour. Je m'occupe de ces enfoirés. N'importe quoi, on va se battre ensemble. Et leur laisser tous ces explosifs? Non, pas question, on se retrouve à la tour. File. S'il te plaît, ne laisse pas Raïm s'approcher du nid. Bien sûr que non. Promis, allez, file. Hein? T'es mort. Tu me mets en pétard. Jade et moi, on cherchait de l'antizine, mais au final, on a trouvé des explosifs. Il faut qu'on se dépêche de filer avant que Tay revienne. Crane, tu nous avais dit de te contacter si on trouvait pas d'antizine. Jade. Laisse tomber, c'est pas important. Ok, écoute. J'apporte ça à Saïd et tu gères Raïm. Il doit surtout pas approcher de cet essaim. Entendu, Jade. T'inquiète. Merci. Un peu introduit.
quoi ça? Je capte des transmissions de... Le quartier. T'as besoin de quelque chose ? Jade m'a contacté. Elle va porter des explosifs à Saïd. Elle m'a demandé d'aller voir Raïm concernant le nid de rapace. Elle veut s'assurer qu'il s'en approchera pas. Ah mon gars ? Crane, Saïd m'a dit que vous aviez trouvé des explosifs. C'est génial! Jade les lui a donnés. Saïd était artificier avant. Ça tombe bien. Ouais, on a eu du bol. J'aurais quand même préféré qu'on trouve de l'antizine. Mon pote Omar est en train de vérifier que Saïd a bien réglé les bombes. Il faut qu'on ait le temps de sortir avant que tout explose. Non, mais tu rêves. Oui, il faut faire exploser le nid. Et on a ce qu'il faut à présent. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tout seul. Mais... C'était mon plan! Que j'exécuterai à la perfection, promis. Mais... Oh, merde! Ça sert à rien d'essayer de te convaincre, hein? Bon, je te ferai signe quand Saïd aura fini. Marché conclu, alors? Puisqu'il le faut. Marché conclu? Ouais. Marché conclu. Oh, encore un truc. J'ai encore vu une créature bizarre. Le docteur Zéré est dans sa caravane. Il faut que j'en parle. Non. Il est à l'infirmerie, avec le docteur Lena. Ok, à plus tard, alors. Vous auriez une minute ? Oh, Kane, c'est ça ? Que puis-je faire pour toi ? Kane, vous vous souvenez de la drôle de créature infectée dont je vous ai parlé ? Celle qui a décampé dès qu'elle m'a vu. Je viens d'en voir une autre, et elle a réagi pareil. J'ai entendu tes collègues parler de ces créatures. Des esquiveurs. Les esquiveurs n'apparaissent que la nuit, dans certains quartiers de la ville. Tu pourrais en attraper un pour me fournir des échantillons à étudier ? Tu sais, je viens de penser à un truc. Si ces créatures sont attirées par les zones où j'ai laissé mes appâts expérimentaux... Ah, je vais trop vite en besogne. Rapporte-moi un échantillon, s'il te plaît. Il doit être frais. Alors, surtout, ne traîne pas en route. D'accord. Et où je suis censé trouver ces créatures ? On m'a dit que l'intendant devrait pouvoir t'aider. Zéré m'a demandé de lui rapporter une des créatures infectées que j'ai vues devant l'école. Zéré m'a dit qu'on trouvait ces bestioles dans certaines zones de la ville. C'est là qu'il faut que je cherche. Il m'a aussi demandé de pas traîner. Il a besoin d'un échantillon frais. Que puis-je faire pour toi ? Le docteur Zéré dit que tu devrais pouvoir m'aider à trouver des esquiveurs. Les infectés ultra rapides, couverts de pustules vertes. Ah oui, je sais où ils se trouvent. Là, là et là.
Mais bon, tu cherches les ennuis, je pense. T'inquiète pas pour moi, merci.